Je vais aller regarder, je vais aller regarder sous tes chaussures s'il n'y a pas un chewing-gum collé. Ça n'a pas de sens. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ta vie, tu l'estimes à combien? 27 euros. Ben voilà, c'est de votre faute les musulmans aussi, vous êtes relou, wesh. Merci. Je suis Kevin Razi et vous êtes dans Rendez-vous. Ça fait trop plaisir de vous voir, merci à vous, vous êtes tous beaux. Vous êtes beaux. Merci. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir cet homme qui, moi, m'a fasciné parce que je me suis tapé toutes les masterclass sur mentorshow.com. C'est Idrissa Berkane qui sera là juste après. Et oui, on va parler de plein de choses avec Idriss. Mais avant ça, je voulais vous parler de quelque chose de dingue. En gros, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même eu plein de pénuries depuis le Covid. Huile de tournesol, moutarde, papier toilette, PlayStation 5, ça c'est chaud. D'ailleurs, petite anecdote pour la moutarde, je ne savais pas, c'est ma mère qui me l'a dit. Elle m'a dit, je cherchais de la moutarde de Dijon, j'ai fait 3 supermarchés. Et il y a un moment, elle a craqué, tu vois, elle a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi il n'y a pas de moutarde de Dijon? Et ils lui ont dit, bah, à cause de la guerre en Ukraine, il n'y a plus de moutarde de Dijon. Tu vois, ma mère, elle était là, donc elle n'est pas teubée, tu vois, elle fait, bah, moutarde de Dijon, Ukraine. Il lui dit, bah oui, parce que les graines, en fait, elles viennent de là-bas. Fait, oh, frère, c'est bon, pète un pont. Et il y a eu que des pénuries, et apparemment, c'est pas prêt de s'arrêter en 2023. Je sais pas si vous vous souvenez déjà de comment on s'était comporté avec les pénuries d'essence. Tu dégages. C'est insupportable. C'est insupportable. Ça va pas. Il connaît pas le code de la route. Non, c'est qu'il était prêt pour mettre de l'essence à bousiller toutes les voitures. Les gens sont juste sauvages dans des moments comme ça. Parce que vous avez passé devant moi. Non, mais si j'ai pas calmé, qu'est-ce que tu veux, quoi? Je m'en fous. Certains clients remplissent des bidons malgré l'interdiction. C'est interdit. Si la police vient, elle vous verbalise. Je crois qu'il n'y a pas plus français que ces embrouilles, en vrai. Je pense qu'on est un peuple un peu à cran, on va pas se mentir. Mais on est un peuple ingénieux. Ah, parce qu'en fait, je vous explique, il y en avait qui n'avaient pas le droit de remplir des bidons d'essence parce que c'était rationné. Et il y a des gars qui sont plus malins que la moyenne. Et eux, ils ont trouvé la solution pour ne pas remplir de bidons. Franchement, il y en a là-dedans. Le génie français. Et l'essence, c'est que le début. Hein, parce qu'il y a eu la pénurie d'huile de tournesol. Et apparemment, pour l'huile de tournesol, il y a une vraie raison à ça. Cette pénurie s'explique dans un premier temps par l'arrivée du ramadan. C'est une huile très utilisée par les musulmans pour préparer les bédés traditionnels de rupture du jeûne. Là, il y avait les fêtes de l'Aïd. Il y avait beaucoup de gens qui achetaient de l'huile à frire pour le mouton. Ben voilà, c'est de votre faute les musulmans aussi. Vous êtes relous, wesh. À un moment, il va falloir rééquilibrer les lipides dans vos menus, quoi. Parce que cette consommation d'huile, c'est pas bien pour l'humanité, là. Faites pas frire le mouton, quoi, je veux dire, les gars. Non, mais, qui fait ça? La vérité, c'est que ce que les gars ne nous disent pas, c'est que, le ramadan, ça a lieu chaque année. Donc, si ça avait été à cause de ça, on l'aurait vu, la pénurie, depuis longtemps. Bande de pitres. Mais il y a un vrai problème pour l'huile et le blé, c'est la guerre en Ukraine, comme d'habitude. En fait, 80% de la production d'huile de tournesol, elle vient d'Ukraine et de Russie. On est ultra dépendant de l'Ukraine et de la Russie pour l'huile et pour le blé, et ça a des conséquences sur les autres produits. Ils limitent la vente de tout. La mayonnaise aussi, puisque nous limitons à 10 kilos de mayonnaise par jour et par client. 10 kilos par jour, par personne? 10 kilos de mayonnaise par jour, par client? Ouais, je vais être juste là, les gars, vraiment. Blague à part, c'est pour les professionnels, hein. C'était chez Métro, évidemment, vous avez compris. Et il n'y a pas que la mayonnaise, non. Il y a 5000 produits qui proviennent de la production d'huile de tournesol, les moutardes, les biscuits, le blé, etc. Mais les frères, l'Ukraine, ce n'est pas les producteurs de tout, quand même. Vraiment, je veux dire, il y a un vrai truc, au final, dans toute cette pénurie qui nous intéresse, c'est qui produit les PlayStation 5, là?
Et avant ça, voilà les autres pénuries qui nous attendent, les gars. Dans le reste de l'actu à présent, cette inquiétude, Pascal, pénurie, alors on le disait en titre, pénurie de lait français liée à la sécheresse et à la faible, également la faible productivité de nos fermes. C'est grave ou pas ? Là, le chroniqueur va nous expliquer que le dérèglement climatique a une incidence sur la production de lait. Et à la fin, il part en roue libre et il nous parle d'un ancien humoriste français. Et j'ai pas compris la vanne. Si quelqu'un l'a, ça m'intéresse. Le lait français, qui, comme le disait l'humoriste Alex Métayer, est un lait parfait. Voilà. On se moquait de son accent à l'époque, parce qu'il arrivait d'Afrique du Nord. Il disait « le lait français est parfait ». Et on lui a appris à l'école à dire « le lait français est parfait ». D'accord. D'accord. Tu sens que l'autre, il est sous « d'accord ». Arrête. L'anecdote est bien trop longue. Il faut arrêter maintenant. Merci, Alex. Je pense qu'il était en pénurie de vannes, miskin, on va pas se mentir. Il y a une pénurie de riz à prévoir aussi à cause des conditions climatiques, d'huile, plus de blé, plus de lait, plus de riz. Je pense que bientôt, la seule chose qui nous restera à manger, c'est du ciment. Si on n'en a pas bientôt en rupture, évidemment, parce que c'est en rupture au Canada, le ciment, d'ailleurs, pour info. Donc, mon petit conseil, faites des stocks de ciment. Voilà, on crèvera probablement de faim, mais c'est pas grave, on aura des maisons. Il y a plus inquiétant. Le problème, c'est que c'est les pénuries de médicaments. Là, c'est chaud. En fait, si vous êtes allé dans une pharmacie récemment, vous avez vu qu'ils rationnent les Doliprane. Je sais pas si vous avez capté. D'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est trop chelou parce que je trouve ça con parce qu'ils te limitent ça à 2 boîtes, mais c'est sans ordonnance. Donc, en fait, rien ne t'empêche de faire plusieurs pharmacies pour aller en prendre d'autres. Voilà, petit tips, je sais jamais. C'est débile, mais le faites pas en vrai, le faites pas. Et pourquoi en fait on est en rupture ? C'est parce qu'on a fermé la seule usine en France qui produisait le Doliprane pour délocaliser la production en Asie. Et pourtant, c'était dans la ville de Roussillon, et là-bas, y avait une usine de paracétamol, et les employés à la base étaient contre. Jusqu'en 2008, c'est sur ce site chimique de Roussillon dans l'Isère qu'était produite la molécule la plus consommée par les Français. Le paracétamol produit à Roussillon est la seule unité en Europe. Ce serait une hérésie de laisser partir cet outil de travail à l'étranger. Derrière, ils ont délocalisé et on s'est retrouvé dans la merde. Donc on s'est dit, et si on faisait revenir la production en France ? Après avoir maximisé ses profits en délocalisant, l'industrie demande au gouvernement de financer son retour. L'État paiera un tiers de la relocalisation du paracétamol. Il sera produit sur la plateforme chimique de Roussillon, en Isère. Donc en fait, ils sont partis se faire de l'oseille et on a payé pour qu'ils reviennent. Alors qu'ils étaient ultra rentables à l'étranger. C'est comme si en fait ton mec t'avait trompé, qu'il t'avait quitté, puis finalement il s'est fait larguer et toi tu payes pour qu'il revienne chez toi, wesh. J'ai inventé un scénario de fou là, j'avoue. Tard les petits secrets entre voisins. Dans les hôpitaux, c'est catastrophique aussi. Ils sont en rupture de tout et en pénurie de médicaments. Et même dans la chirurgie cardiaque, par exemple. On est vraiment la plupart du temps mis devant le fait accompli. Je vais recevoir un appel du bloc de chirurgie vasculaire. Ils n'ont plus de boules de coton. Une pénurie de boules de coton, tu crois ? On dirait un épisode de H avec Eric Rindy. Les produits concernés par la pénurie, c'est une galère parce que ça touche même les trucs vitaux. Et est-ce que c'est une priorité, là, surtout concernant le médical, pour les politiques ? Les politiques peuvent-ils faire pression sur les laboratoires ? Alors, à votre avis, on ne sait pas. Réponse. Les politiques peuvent-ils faire pression sur les laboratoires ? Jusqu'en février 2020, les questions sanitaires étaient quasiment absentes de l'agenda de l'Union européenne. Réponse. Ils peuvent, mais j'avoue, on a oublié d'en parler. Non, mais c'est vrai, parce qu'avec le Covid, tout ça, on n'était pas au truc. En fait, c'est une autre façon de dire qu'ils s'en battaient les couilles. Voilà, ouais, clairement. En fait, ce sont les laboratoires qui décident de produire ou d'arrêter de produire un médicament. Le seul enjeu pour eux, c'est que le médicament soit rentable. Et la différence entre le coût de production d'un médicament et le prix donné par les laboratoires, il est ouf. Ce flacon produit par la pharmacie hospitalière revient à 60 euros. Son équivalent est vendu à 370 euros par un laboratoire. Ce traitement destiné aux nourrissons coûte 3000 euros par an. Il est vendu 50 fois plus cher par l'industrie. Et cet exemple, en fait, c'est pas le seul. Il y a un traitement du laboratoire Novartis qui coûte 2 millions d'euros, d'accord ? 2 millions d'euros. Et il y a une famille belge qui en a besoin pour soigner leur fille. Donc, ils contactent Bill Gates, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, pas de réponse. Et là, le laboratoire leur répond. Une personne de Novartis nous a contactés, nous a dit qu'ils compatissaient, qu'ils étaient très touchés par notre histoire, mais qu'ils ne pouvaient pas nous faire de réduction. En fait, ce qu'il disait, c'est
Si vous n'avez pas les 2 millions, elle n'aura pas le médicament. C'est un laboratoire ou la mafia, le truc donc la famille, elle a organisé un système de dons par SMS, ils ont réussi à récupérer la somme. Lorsque nous avons réalisé que la somme était réunie, nous avons prévenu les neurologues de Pia. Ils ont contacté Novartis pour qu'ils envoient le traitement des États-Unis en Belgique. Il est arrivé dans cette petite boîte qui contenait 6 petits flacons. 2 millions d'euros juste pour 6 flacons, là. Et il doit y avoir de l'or dedans, c'est pas possible. Ou le sang de Pharrell Williams, mais... Mais comment ils ont déterminé le prix du médicament ? Comment le géant pharmaceutique suisse justifie-t-il ce prix, jusqu'alors jamais atteint pour un médicament ? Novartis n'a pas calculé le prix en fonction des coûts de fabrication, mais en fonction de ce que la société est prête à payer pour accéder au traitement. Les fils de pute, oui. Donc on se retrouve en pénurie de ces traitements, mais c'est juste une histoire de rentabilité. Voici la preuve. Le Viagra ne manque jamais. Il n'y a pas de pénurie de Viagra. Ça nous renseigne sur les priorités du marché. Bah, bilan, on va tous probablement avoir un cancer, mais on aura une bonne érection au moins, tu vois. Toujours ça. C'est flippant, hein, en vrai, c'est flippant. Mais il n'y a pas une bonne nouvelle là qui pourrait tomber au niveau de la fin de la pénurie ? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Sachez-le, il y a certaines vidéos qu'on est particulièrement content de présenter et celle-ci, je dois vous le dire, elle me réjouit. La pénurie de PS5 s'apprête à totalement disparaître et on pourra même parler pour les mois à venir de véritables raz-de-marée de machines. C'est des dizaines de millions de PS5 qui s'apprêtent à déferler sur l'Europe, les États-Unis, le Japon, bref, le monde. Vraiment, le gars, il en a parlé comme s'il allait guérir des cancers avec sa PlayStation 5, je te jure. Putain, mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Enfin, je veux dire, pour les médocs à 2 millions, je veux juste faire tourner le message. Bon, a priori, on ne connaît pas de boss dans l'industrie pharmaceutique. Je sais pas, il y en a des boss dans l'industrie pharmaceutique? Si, t'en connais? Ah, t'es préparatrice? En pharmacie? Eh ben, écoute, fais tourner le truc, quoi. 2 millions, cousine, là, on ne pourra pas gérer. Faire tourner le message, faites passer le mot. En revanche, bon, quand on entend pénurie d'essence, de moutarde, de ci, de mi, please, détente. Si vous n'êtes pas en besoin, n'y allez pas. Et quand vous entendez qu'il y a des pénuries de places pour rendez-vous avec Kevin Razi, ça c'est le seul moment où vous pouvez forcer. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va enchaîner avec l'invité du jour. Non, rendez-vous avec Kevin Razi. Je suis très honoré de le recevoir parce qu'il n'accepte que très peu d'interviews et j'ai énormément de questions à lui poser. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un triomphe pour Idriss Aberkan. Merci, enfin. Il y a un super chanté. Idriss Aberkan, mesdames et messieurs. Ok, tu fais pas ça. Idriss Aberkan. Je suis super content de te recevoir parce que... Mais je savais pas que ça allait être aussi intense. Alors là, tu dois te dire de quoi je parle. Parce que quand j'ai annoncé que j'avais Idriss Aberkan qui venait dans rendez-vous avec Kevin Razi, waouh, mes DM sur Instagram, c'était « Je l'aime !»« Je déteste !»« Tu vas le recevoir ?»« C'est bien, ça équilibre. Tu vas le recevoir ?» Ça a été ça non-stop. Et je me suis dit, waouh, on a trop de choses à se dire, en fait. Tu te rends compte un peu du fait que aujourd'hui tu déchaînes les passions comme ça? T'as l'air passionné, toi. J'ai un regard de passionné, là. Ouais, je sens que t'as les mains qui tremblent et tout. Arrête, je vois pas mon côté du sens, je viens. Non, Idriss, si je devais déjà te présenter, hein, pour les rares personnes qui ne te connaissent pas, tu sais quoi? Moi, comme je te considère comme limite un chat GPT humain, parce que je te jure, chat GPT, c'est une intelligence artificielle, vous lui posez n'importe quelle question, il arrive plus ou moins à répondre. Eh bien, Idriss, toi, j'ai remarqué que tu pouvais répondre à plein de choses. J'ai tapé sur chat GPT pour savoir ce qu'ils allaient dire. Tu l'as jamais fait? Non, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi, parce que j'avais beaucoup d'élèves en intelligence artificielle, et ça a dit, ouais, n'importe quoi. Bah, écoute, là, regarde ce qu'il me dit. Idriss Aberkan est un neuroscientifique, ça c'est bon, un expert en neuroéconomie, ouais.
une discipline qui étudie les mécanismes cérébraux à la base de la prise de décision économique. Il est également conférencier, auteur populaire en France, connu pour ses idées sur l'apprentissage rapide. Il a publié plusieurs livres, y compris la méthode ABK, Le secret de la richesse infinie. Ouais, non. Non. C'est là que ça part en vrille, j'ai jamais publié ça, tu vois. Ok. Et ChatGPT, ouais, non, mais c'est, si tu veux, c'est ça le problème de ChatGPT. Il ne peut pas aller sur Internet. Hein. Donc, il a été entraîné sur une sorte d'encyclopédie qu'ils ont prise, mais il ne peut pas aller sur Internet. Et voilà, tu vois des trucs comme ça sur ChatGPT, mais sur plein de sujets où il se gourre encore. Mais... Bah, oui, sur moi, par exemple, il a dit il a dit que j'étais en couple avec Rihanna, alors que je voulais pas que ça se passe. Mais des fois, il prédit l'avenir, tu vois. Oh, ça, sauce pas, attention. Tranquille, hein, je... Tu sais, comme je te le disais quand je t'ai annoncé, je me suis dit que t'étais un vrai phénomène et j'avais de la chance de pouvoir discuter avec toi. C'est volontaire pour toi de ne pas accepter forcément toutes les interviews? Non, mais j'en ai fait plein des interviews, tu sais. Et dans plusieurs pays, mais... Mais en avec, France, alors. Non, parce que là, ils étaient en train de se dire « Ah ouais, en fait, tout le monde l'a eu, quoi. » Non, non, non. Mais en France, c'est particulier. Non, mais à un moment, j'en ai vraiment fait plein. Même en Belgique, je suis vraiment désolé de te dire ça. Mais tu sais que moi, je vais tout, partout, t'es TikTok. Non, okay, non mais t'avais Thinkerview, bien sûr, mais ça date déjà, mais... Ouais, en soi, maintenant que j'ai ma chaîne YouTube, etc., je sens plus vraiment la nécessité de le faire. Mais bon, des gens très bien m'ont dit le plus grand bien de ton émission et je voulais passer, quoi. Je te jure, c'est vrai. Merci. Est-ce que... parce que tu vois, parce que comme tu fais pas beaucoup d'interviews, tu sais, le mec, il lâche pas la fin. Il avait écrit son interview que sur ça, du coup, il lâche pas. Non, non. En fait, j'avais l'impression que c'était plus simple d'interviewer ou alors de donner la parole à Idriss Aberkane sur des médias étrangers qu'en France. Et je me demandais, c'était quoi, voilà. Et c'était quoi, à ton avis, ton rapport à la France aujourd'hui? Est-ce que tu comprends ce qu'on te reproche, en fait? En gros, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que tu peux comprendre, est-ce que tu arrives à comprendre ce qu'on te reproche par rapport à tes PhD, donc tes doctorats, etc.? Ah. Est-ce que tu comprends pourquoi on est sur tes côtes? Bah, non, mais c'est une minorité, ça, si tu veux. Dans n'importe quel autre pays, tu vois, j'ai été à Stanford invité comme chercheur à 20 ans vraiment, et ils n'ont jamais rien écrit sur moi, ni de bien ni de mal d'ailleurs. Mais tu vois, dernièrement, j'ai fait une interview avec Saïd Tahmaoui. Ouais, c'était bien. Bah oui, mais en fait, il a résumé tout ce que j'ai vécu aussi. Simplement, moi, je suis resté en Europe, je ne vis plus en France, je vis en Italie, mais je suis resté en Europe. Ma mère est italienne, est kabyle, ma mère est italienne. Et. Si tu veux, j'ai vu que rien n'a changé, que tout ce qu'il a décrit, et j'ai vu ça quand j'ai fait l'interview de Jean-Pierre Petit sur ma chaîne aussi, que tu as dû voir, Jean-Pierre Petit qui est un personnage vraiment avec un grand P, mais qui a eu raison sur énormément de choses, et qu'on a chanté, quoi. Il a été absolument tabassé par ses collègues, ses pairs, ce que tu veux, alors qu'il avait raison sur 99% des choses qu'il avait anticipées. Donc Saïd, il s'est carrément barré. Moi, je dis, j'en suis pas encore à dire barrez-vous, tu vois. J'en suis pas encore à dire... Écoutez, là, vraiment, j'ai tout essayé. J'avais 3 doctorats à 29 ans. Je me suis quand même fait attaquer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Souvent, j'ai eu l'impression qu'en effet, quand en France, tu as les origines que j'ai, italienne exactement, spécialement piémontaise. C'est grave d'écrire. T'es un rapide, toi. J'aime bien tirer à loin, toi. Inch'Allah, je t'entends. Non, tu veux dire Deo Volente. Ah oui, pardon, en italien. Oui. C'est bien, tu suis. Et. Si en plus je t'ajoutais que je suis un quart auvergnat, tu vois, on va faire une petite dédicace à Brice Hortefeux, tout ça. Pour ce... ouais, en gros, si tu voulais percer, soit t'étais footballeur, soit t'étais rappeur, soit t'étais dealer. Mais triple docteur, c'était pas dans les cases qui étaient prévues, si tu veux. Donc il y a eu cet aspect-là. Je fais du rap, effectivement. Ouais, j'ai fait 2 albums de rap expérimentaux qui ont assez bien marché et qui ont été censurés par Apple Music. Est-ce que tu crois à ça? On a fait une interview avec mes deux compères, Snow et Nick MC, qui avaient fait la prod. Une longue interview, vraiment, avec Témis. Je ne sais pas si tu connais Témis. Bah oui, Témis, ouais. Elle a interviewé tout le monde. Et vraiment, on a fait une très longue interview. Et tu sais, tu sens un obscur fonctionnaire dont tu n'as jamais entendu parler. Il n'est pas fonctionnaire, en l'occurrence, mais un obscur N+1 chez... bureaucrate, j'aurais dû dire, plutôt que fonctionnaire. Ouais, un obscur bureaucrate de chez Apple Music, mais seul, hein, a dit non, on ne va pas la passer, cette interview, tu vois. Donc là, t'as dit quoi dedans, tu... Bah, écoute, j'ai dit ce que j'avais à dire, quoi. Mais du rap non controversé, tu sens le concept, tu... Bah, du fromage pasteurisé, ouais. Tu vois, c'est un peu ça, l'idée du rap non controversé. On en est là quand même. T'as d'autres projets de rap là qui arrivent ou pas? C'est des albums expérimentaux. On les a fait en une semaine. On s'est enfermé en une semaine. On a fait les paroles, les productions, l'enregistrement.
Une semaine, chrono. D'accord. Ouais. Et c'était vraiment juste un one shot. Ouais. Bah non, on en a fait deux du coup. Enfin, mais, un two one shot, comme comment dire. Un two shot. C'est un two fois one shot. Yeah. Bah, en fait, on se concentre sur le projet. Mais j'aime beaucoup la poésie en fait. Donc tu vois, j'ai pas écrit la je sais pas quoi méthode pour être millionnaire. Par contre, j'ai écrit un bouquin de poésie. Qui m'a dit, hein. Ça m'a. Mais tu vois. Mais c'est important ce que tu dis. Parce que tu dis, c'est ChatGPT qui l'a dit. Ouais. Tu laisses une génération et c'est ce qui va se passer. Ils vont être là, tu sais, c'est le veau d'or. Ils vont être là, mais c'est ChatGPT. Je t'avouerais que quand j'ai découvert ChatGPT, je me suis dit, putain, si je l'avais eu à l'école, mes exposés. Non, mais t'aurais été tricard direct. Ah ouais. C'est très facile de détecter un truc qui a été fait sur ChatGPT. Très facile. Il y a des expressions toutes faites qu'ils réutilisent. Dans 5 ans, ça va être différent. Dans 5 ans, tu pourras demander des trucs de fou à l'intelligence artificielle. Tu pourras leur demander de te faire des films. Tu pourras leur demander, hé, Siri ou n'importe quoi, fais-moi un Star Wars où Dark Vador, en fait, passe du côté lumineux de la Force. Fais-moi un Star Wars où Anakin Skywalker reste un Jedi. Il peut et faire déjà des trucs un peu comme ça. Non, moi, je te parle de le faire en entier, le film, en image de synthèse. De faire tout le film. Ah oui, de modéliser. Le film, la musique, le visa d'exploitation, aller le déposer au gouvernement, le mettre en salle, négocier les prix. Dinguerie. C'est ce qu'ils veulent faire. Le but de l'IA, c'est de pouvoir faire ça. C'est de pouvoir prendre 10 000 humains, le travail de 10 000 humains, et de le faire faire par une seule machine. Et c'est pour ça que tu as plein de gens qui te disent « Ah, gna, gna, du coup, les humains vont servir à rien. Du coup, peut-être qu'il faudrait se débarrasser d'une certaine partie parce qu'ils servent à rien, etc. » Se débarrasser. Il y a des gens qui disent ça. Mais tu as plein de penseurs de l'IA, à commencer par Yuval Harari, là, j'oublie toujours comment on prononce son nom, qui a dit « Écoutez, il va y avoir des inutiles, quoi. Il va y avoir des gens qui servent à rien. » Parce que l'IA va faire mieux leur travail qu'eux. Mais j'ai l'impression que ça, c'est une théorie qui... Oui, il l'a écrite, en tout cas. Ouais, mais qui, tu sais, qui est propagé notamment beaucoup, dans beaucoup de films américains. Les méchants, aujourd'hui, ils ne sont plus méchants pour contrôler le monde. Ils sont plutôt idéalistes. On ne peut pas être nombreux, il faut qu'on se débarrasse de la moitié de la Terre. Mais là, c'est vraiment plus grave que ça. Tu as ceux qui disent, oui, la Terre ne peut pas supporter 10 milliards d'êtres humains. Ça se discute, et on pourra en discuter dans ton émission, d'ailleurs. Et tu as ceux qui disent simplement, il y a des cons, tu vois. Et en latin, ça se dit stultorum numerus est. Les cons sont infinis, ou nombreux. J'ai fait allemand LV2, moi. Donc, là, tu peux me dire n'importe quoi. Tu peux me dire qu'en latin, on dit imodium lingual. Que je vais te dire, ah ouais, bah ouais, imodium. Écoute, psychologiquement, c'est bien que ce soit la première idée qui te soit passée par la tête. mais OK. Ce que je veux dire, c'est que pour certains, c'est pas du tout une question environnementale. C'est une question génétique. C'est horrible, ça. Ouais, c'est vraiment, il y a du garbage humain, il va falloir s'en débarrasser. Tu as des gens qui pensent sincèrement comme ça. Et j'ai donné des conférences dans la Silicon Valley, notamment à la Singularity University, qui est la mecque des transhumanistes. Quand j'étais au déjeuner, par exemple, il y a un gars qui est venu m'aborder, il m'a dit « Idriss, tu feras quoi dans 300 ans ?» cache comme ça. Parce qu'il était là, on est entre nous, là, on est dans l'élite, on va vivre 300 ans, tôt ou tard. Tu avais, par exemple, Peter Thiel, tu vois, le gars qui a... fondateur de la PayPal Mafia. C'est un des cofondateurs de PayPal. C'est lui qui a baisé Elon Musk, si tu me permets ce langage un peu trivial. Tu peux y aller, on est sur YouTube. Et en fait, Peter Thiel, il avait investi dans une boîte qui faisait de la transfusion de sang d'adolescents. Pour de vrai, vous pouvez vérifier tout ce que je vous raconte. Et même Edward Snowden l'a attaqué sur Twitter pour ça. Edward Snowden a dit, vous vous rendez compte, on peut même plus investir tranquillement dans une boîte qui fait de la transfusion de sang d'adolescents sans se faire tricard non plus, ça va pas, quoi. Et le gars, il investissait dans une boîte qui fait de la transfusion de sang d'adolescents pour rester jeune plus longtemps. Donc, tu as vraiment cette idée, aristocratie, Aristoi, les meilleurs. Les meilleurs. Tu sens que ça ne te concerne pas, toi et moi, en fait. D'ailleurs, sur le coup, à la Singularity University, c'était un malentendu, tu vois. Ils croyaient que j'en faisais partie, mais en fait... Ils avaient vu que l'italien. Je pense que c'était ça, certainement. Donc ils se sont dit, on peut parler, on est entre italiens, entre guerres, on est tranquille. Et du bon profil. Mais non, le mec, il m'a dit, moi, je croyais qu'il se foutait de ma gueule, tu vois. Je croyais qu'il était en train de plaisanter. Et en fait, non, il m'a dit, tu sais bien, limite, j'avais vécu dans une grotte pour lui, donc tu ne sais pas qu'on va tous vivre 300, enfin tous, non, ouais, nous, voilà. Et puis pareil, les autres, mais tu sais, c'est dans le meilleur des mondes, c'est comme ça. T'as les alpha, donc c'est des catégories d'humains qui sont sélectionnés à la naissance, qui sont génétiquement modifiés pour avoir certaines compétences. Et puis t'as les gamma, les delta, qui sont bossus, qui peuvent pas trop comprendre ce qu'ils font, qui sont contents en plus, ils sont heureux, tu vois. Ils ont été fabriqués à la naissance pour être heureux de là où ils sont. Et ça avait été écrit par Aldous Huxley, mais t'as des gens pour qui c'est devenu limite une roadmap, en fait. Et est-ce que toi, tu comprends qu'il y ait des gens qui parfois disent de toi... Parce que là, en fait, moi, je te dis, comme je le disais quand je t'ai introduit,
dans l'émission. Imodium lingual, tout ça. Ah, mais j'ai compris. Non, non, y a un truc. Je parlais, moi, je t'ai connu sur le volet de tout ce qui était lié au développement personnel. C'est arrivé après, ça. Ouais, mais bon, moi, je t'ai connu grâce à ça, avec Mentor Show notamment. Ouais, tu vois, ça arrivait après, je sais. Au début, j'étais content parce que je me suis dit, tiens, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui, comme nous, je me comprends, donc qui est quelqu'un qui est racisé, qui est smart. Et je déteste ce mot. Je sais, mais tu connais, moi, je suis de gauche. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que... Le souci, c'est que moi j'ai connu ce volet-là. Et après, je traîne avec des gens, des sociologues et tout. Alors, un petit peu, tu vois, je suis content. Et j'ai dit, je reçois Idrissa Berkane, etc. Et il y en a notamment un qui me dit, j'avais des questions, moi, à lui poser. Je lui dis, viens. Il dit, ouais, j'ai la flemme. Donc, je les pose, tu vois. Mais c'est parce que je pense que c'est important. Mais parce que j'aime pas l'idée que des gens parlent pour toi. Pose ces questions. Je pose ces questions. Par exemple, tu vois, moi, mon pote qui est sociologue, lui, il est en train de faire sa thèse, là. Ouais. Et il me dit, quelqu'un qui a fait 3 thèses, il faut au moins 3 ans par thèse à minima. Et il me dit, semble-t-il que toi, tu les aurais faites en 3 ans. C'est faux. C'est faux, ça. C'est complètement faux. Je les ai faites en 7 ans. Simplement, sur Thinkerview, quand on m'a demandé, je les ai défendues en 3 ans. Et tu vois, tout ça, ça fait partie des fake news. Quand les gens ne savent pas comment ça marche administrativement, une thèse, tu peux leur faire gober ça. Mais c'est complètement, frontalement faux. Ma première thèse, j'étais en pré-inscription en 2009, inscription administrative en 2010. J'ai soutenu ma dernière thèse en 2016. Donc j'ai fait mes 3 thèses entre 6 et 7 ans. Ça m'a pris un temps fou. Et j'ai travaillé comme un dingue. Mais il y a effectivement eu une année où j'avais les 3 en même temps. Ça a été l'enfer. Ça, c'était l'année 2013. Là, ça a été vraiment hardcore. Parce que j'en avais défendu aucune, j'en avais soutenu aucune. J'ai soutenu la première en 2014. Et après année, j'ai soutenu la suivante. Mais j'ai commencé mes projets doctoraux en 2009. Et d'ailleurs, je suis rentré à Normale Sup. 86, c'est ça ? 86. Ouais, ouais. 87. Ouais, en fait, c'est même pas beaucoup en avance, en réalité, tu vois. 86. Ouais, j'avoue. Par rapport aux Normaliens, etc., qui font ça. Donc, non, c'est faux. Mais évidemment, si tu prends de l'information fausse, comme sur ChatGPT, donc j'ai écrit quoi ? J'ai écrit comment devenir millionnaire, c'est ça ? Ou ABK, écrit... la méthode pour l'argent infini. C'est ça. Et que tu aurais coproduit le dernier album de Jul, il y a écrit. C'est ça. Non, le secret de la richesse infinie, la méthode ABK. Mais je vais... Ouais, voilà. Je ne sais même pas ce que c'est que cette méthode ABK, tu vois. Ouais, Mais bon, c'est normal. En fait, en psychologie, et ton pote sociologue aurait dû le savoir, pardon, si, comme dirait DSK, s'il avait été mon élève, il n'aurait pas fait cette erreur. Tu vois. Oh Je vais lui découper ce passage. Écoute, tu m'as dit que tu étais de gauche, j'ai voulu faire péter des références appropriées, tu vois. C'est vrai que c'était notre goutte de gauche, hein, celui-là. N'est-ce pas ? Alors, en fait, en psychologie, les gens sont, accros à la première information qu'ils ont. Quand tu leur donnes une première information, elle est plus importante que les autres. C'est-à-dire que même si tu les corriges, même si tu leur dis « bah non, Berkane, il a fait ses 3 doctorats en 6 ans et demi, pas en 3 », ils vont rester accrochés à la première information parce qu'il y a un effet qui est utilisé en marketing d'ailleurs, qui est que les humains ont une affection pour la primo-information. Donc selon ce que tu as eu comme primo-information, tu vas y coller davantage. Et les vendeurs utilisent ça. Quand tu vends une bagnole d'occasion, tu vas utiliser ça. On appelle ça aussi l'effet d'ancrage. Tu sors un prix, par exemple, pour une bagnole, et boum, la personne, si tu lui fais un... Tu sais, les mecs qui vendent des vestes en cuir, etc. T'as dû voir ça. Voilà, il arrive, ça coûte 6 formales. À Châtelet, je me suis fait avoir. Le mec, il m'a dit, elle est à 150 €, c'est pour toi, je la fais à 49. Mais par contre, tu le dis à personne. Surtout, t'en parles à personne, exactement. En plus, il t'a pas dit que c'était un modèle Prada, en fait. C'est des chutes, machin. C'est pour ça qu'il te l'a fait. Il y avait un défaut, en plus. C'est ça. Mais tu sais, regarde, il y a des gens... Je sais pas, tu regardes, toi, les vidéos des gens qui s'attardent sur ton cas? Moi, j'ai vu un peu de tout. Mais tu sais, le truc, c'est qu'il faut que j'en fasse des vidéos. Là, j'en avais pas fait pendant un certain temps. J'étais en vacances. Les gens ont cru que j'étais mort. Je te jure, sur Twitter. Mais je déconne pas. Il est mort. Des gens sont venus me parler sur Instagram. Alors que tu étais juste en vacances. Bah ouais. Non, parce que tu vois, par exemple, je pense à des gens, par exemple. Tu vois, tu parles de tes 3 thèses. Tu as très bien expliqué tout ça. Et puis, tu as d'autres personnes qui disent « Oui, mais nous, on n'a pas vu de publication. » Alors que quand tu fais des thèses, il y a des publications. Mais c'est faux. Là aussi, tu t'es fait avoir. C'est complètement faux. Non, moi, je, tu vas. Et d'ailleurs, j'ai démonté deux pauvres journalistes de l'Express qui avaient dit ça. En live, ils ont posté l'interview sur François. Les pauvres gamins se sont fait détruire. Ils ont dit, on n'a pas trouvé de publication. Devant eux, je suis allé sur Google Scholar. Je leur ai dit, bah voilà, vous tapez. Bah en fait, non, vous savez juste pas faire une recherche. C'est ça le problème, si tu veux. Évidemment que j'ai fait plein de publications. Tu vas sur Google Scholar, tu tapes mon nom, Idrissa Berkane. Tu peux même le taper entre guillemets, si tu veux. Et tu vas voir des publications.
T'as pas vérifié ton info avant de faire cette interview. Moi, je ne fais que. Non, mais j'avais une haute estime. Moi, j'ai été primo, tu vois. Je t'ai dit primo information. Moi, j'ai été primo informé sur toi en bien. Moi, les gens, quand j'ai pris mes premières informations sur toi, elles étaient en bien. Et maintenant, tu sais quoi? Je vais aller regarder sous tes chaussures s'il n'y a pas un chewing-gum collé. Parce que, évidemment, je vais pas te faire ça. Détends-toi, tout va bien. J'espère bien. parce qu'il n'y a pas de chewing-gum collé. Non, tu sais pourquoi je te dis ça? Promis, nos spectateurs n'entendront plus parler d'imodium lingual et d'introduction. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Non, bah, déjà, imodium, on est bon. Ouais. Non, en fait, pour moi, c'est important que ce soit toi qui me réponde plutôt que ce soit Google. Mais non, c'est au fait de répondre, c'est pas à moi. Non, mais voilà, mais c'est la vérité. Parce que j'ai plein de gens qui vont me dire des choses, mais je trouve ça cool. Moi, j'ai la chance de pouvoir demander à la personne. Je vais te répéter, quand les gens disent des choses, c'est pas des faits. Les faits, il faut aller les vérifier. Il y en a parfois qui les ont quand même. Non, tu vas les vérifier toi-même, mais c'est pas les gens qui te disent quelque chose. Quand les gens te disent quelque chose, c'est au mieux du commérage, ou ce que les Américains appellent un hearsay, ce ne sont pas des faits. Moi, les faits dont je te parle, c'est Idriss Aberkane a-t-il fait des publications à un comité de lecture dans des journaux scientifiques? La réponse, tu vas sur Google Scholar, tu tapes mon nom et tu vois une liste qui n'est pas complètement dingue non plus, parce que ce n'est pas mon job à temps plein, je suis devenu consultant après, mais une liste qui est tout à fait respectable et qui permet bien entendu de passer des thèses. Deuxième point. Tu crois que les jurys de thèse, il y en avait 7 dans chacune de mes thèses. 7. Tu peux passer une thèse avec 3 personnes. Moi, j'ai décidé d'en prendre 7. Donc, j'ai voulu me faire chier. Si j'avais voulu les faire en loose day, j'aurais pris 3 personnes, comme plein de gens qui me critiquent l'ont fait d'ailleurs, mais eux, on n'est pas allé le chercher. Eh bien, dans ce cas-là, tu crois que les jurys de thèse, qui ont 20 ans de métier, et donc c'est le job de dire si tu peux passer ta thèse ou pas, pas 2-3 gars sur Facebook, tu crois qu'eux, ils ont mal fait leur travail? Tu crois que ces mecs sont allés les voir en leur disant vous avez mal fait votre travail? C'est compliqué d'être Idriss Aberkane au quotidien? Non, c'est compliqué de faire des choses différentes en France. Et je ne suis pas le seul à le dire. Parce que... C'est marrant que tu dis ça, parce que j'ai une réflexion que j'ai faite avec Mourad, mon associé. Je lui disais, j'ai appris justement par un sociologue qu'en France, on n'était pas dans une méritocratie. Ah non. Mais dans une héritocratie. Oui. Et que c'était... Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est qu'on... Depuis la tradition judéo-chrétienne et compagnie, on accède plus facilement en France que ton héritage, ce soit de familial, et que si tu es starting from the bottom nowhere, on a plus de mal à l'accepter. Et que c'est inconscient, mais qu'on ne valorise pas du tout les gens qui sont partis d'en bas, même si on aime bien dire « Ah, tu sais que lui, il est parti d'en bas, etc. » on a du mal à le valoriser parce qu'en fait, c'est dans notre culture. Non, mais tu le vois même sur les grandes écoles. Et même Bourdieu, donc ça date, avait dit, vous voyez bien dans les statistiques, si quelqu'un, ses parents ont fait des grandes écoles, il a plus de chances de les faire. Vous dites « Comment ça se fait? Il passe par un concours. » Oui, mais ses parents lui ont dit « Tu peux. » Papa l'a fait, donc tu peux le faire. Il y avait une blague comme ça en Union soviétique. Tu sais que l'Union soviétique, c'était censé être la méritocratie suprême. C'est Yuri Gagarin, fils de paysan, qui est le premier homme dans l'espace. Normalement, niveau méritocratie, t'es bien, tu vois. La blague en Union soviétique, c'était le fils du général peut-il être général? Oui. Le fils du général peut-il être capitaine? Non, le capitaine a déjà un fils. ça se marrait bien. Non. Tu sais... Il y a un autre sujet que j'aimerais que tu m'expliques toi pour le coup, parce que je suis pas du tout calé en mathématiques. Tu sais, moi j'ai fait un bac ES et les maths c'était bien trop compliqué. J'ai passé mon bac en 2 fois sans frais. Et c'est quoi la... comment ça s'appelle? Attends, je l'ai noté parce que je veux que tu m'expliques. La conjecture de Collatz. Conjecture de Syracuse aussi, c'est ça? Ouais. C'est quoi? C'est un des problèmes mathématiques les plus durs de tous les temps. C'est un des problèmes mathématiques les plus difficiles de tous les temps. Mais qui l'a inventé? C'est pas moi. Alors, elle a été découverte, inventée à l'université de Syracuse, pas en Italie, mais aux États-Unis, à New York, upstate New York. C'était l'université de Carmelo Anthony, pour ceux qui suivent le basket. Bien. Ça, c'est... Là, au moins, je gère un peu. Ah, ils ont une... c'est un problème de mathématiques qui a été inventé là-bas. Découvert. Pensée, si tu veux. Et c'est pas moi qui dis que c'est un des problèmes mathématiques les plus durs de tous les temps, c'est Cédric Villani. Tu lis son bouquin, son très bon bouquin d'ailleurs, je vous le recommande, Théorème vivant, où il explique comment il a fait ses travaux sur l'amortissement Landau, etc. Qui lui ont donné la médaille Fields. À un moment donné, il parle du problème de Syracuse et il dit cash, je touche pas à ça, mon cerveau n'est pas adapté à ce genre de problème. C'est ce qu'il écrit. D'accord. Il dit, outre le fait que c'est un problème exceptionnellement difficile, mon cerveau n'est pas adapté à ce type de problème. D'accord. Ça, c'est la conjecture de Collatz, dit aussi problème de Syracuse. Elle a plein d'autres noms. Ouais, parce que
Mais elle est très simple, en fait. Hein. Et toi, du coup, tu as réussi à résoudre le problème. J'en revendique la preuve. Je l'ai publié dans deux journaux à comité de lecture, pas dans un blog, pas à l'arrache sur pas mon sur site. Pas sur TikTok. Non, dans deux journaux. Mais tu sais, c'est marrant parce que tu peux, aujourd'hui, tu peux publier une preuve de maths n'importe où. Et en fait, il y a une médaille Fields qui est légendaire, il s'appelle Grigory Perelman. Le mec, il vit chez sa mère, il a refusé 2 millions de dollars, il a refusé la médaille Fields. Ce type est une légende. On dirait un SDF, littéralement. Des fois, il est vu dans le métro de Saint-Pétersbourg, t'as l'impression que c'est un SDF. Il s'appelle Grigory Perelman, on l'appelait à Berkeley Spooky. Spooky, ça veut dire le mec flippant. Il se coupait pas les ongles, il avait une barbe de 3 pieds de long, c'était un mec vraiment inquiétant, tu vois. Et lui, il a résolu la conjecture de Poincaré, qui est un problème mathématique considérablement important. Et ça méritait 2 millions de dollars. Il y avait deux institutions différentes qui te donnaient 1 million de dollars de prix si tu l'avais résolu. Et la médaille Fields. Les deux institutions ont dit il mérite 1 million de dollars. Il a eu la médaille Fields. Il a refusé tout. Pourquoi? Parce qu'il avait publié, fuck it. En mode, moi, je ne joue pas le jeu de je vais publier dans des journaux à comité, etc. Si les gens savaient comment ça marche d'ailleurs, ils seraient assez écœurés de voir comment la recherche coûte. Vous avez parlé de l'industrie pharmaceutique précédemment. Si les gens savaient que la recherche française, par exemple, le contribuable la paye deux fois. Parce qu'au CNRS, quand tu fais un article, tu fais une découverte, et le CNRS est très efficace budgétairement. Il faut savoir qu'en France, le budget du CNRS, c'est 6 milliards d'euros par an. Le budget climatisation du Pentagone, c'est 18 milliards. Le budget pour climatiser les forces armées américaines sur toutes les bases dans le monde, par an, juste le budget clim, pas le budget steak, pas le budget PlayStation, pas le budget, pas le budget de divertissement, c'est 18 milliards, et trois fois si plus. Bah, comme tu as remarqué, les États-Unis, ils ont tendance à se déployer dans des pays où il y a du sable, du pétrole et pas de démocratie. C'est vrai que c'est vrai. Donc, du coup, ils ont besoin d'un budget clim et d'un budget PlayStation, etc. Avec ce petit budget, le CNRS fait des grosses découvertes. Mais pourquoi je vous ai dit que le contribuable la paye deux fois? Un chercheur du CNRS dans un laboratoire à Paris, il fait sa découverte, il doit la donner à un journal américain. Non, c'est pire que ça. Il doit supplier le journal américain de prendre sa découverte gratuitement. Je déconne pas. Moi, quand j'écris un livre, je supplie aucun éditeur. Les éditeurs, ils viennent, ils savent que j'ai fait des centaines de milliers d'exemplaires, ils me supplient de signer chez eux. Non, un chercheur français, quand il a fait une découverte, et pas que français d'ailleurs, mais quand un chercheur français a fait une découverte, il doit supplier un journal américain de prendre sa découverte gratuitement. Zéro droit d'auteur, lui sont reversés. Le journal est payant, l'article coûte 20 balles, l'abonnement peut coûter 1000 balles, un seul journal. Et le chercheur à Paris, il a supplié à genoux le journal, ça lui a pris 6 mois, de prendre sa découverte et de la publier, gratuitement, pour lui, enfin pas de droit d'auteur encore une fois. Le chercheur de Lyon, il doit payer le journal pour avoir la découverte du mec à Paris. Ah, c'est un système incroyable. C'est un système complètement pété. Si les gens savaient comment il fonctionnait, ils seraient ou dans la rue ou en train de passer des lois au Parlement pour dire c'est pas comme ça que la recherche devrait se faire. Plein, il y a eu un type, Aaron Swartz au MIT, un jeune étudiant qui s'est suicidé parce qu'il était contre ce système et c'était un hacker, il a hacké les grands journaux américains. Bon, attendez, quand je dis les grands journaux américains, il faut comprendre. C'est pas juste la sexualité du papillon à Singapour, hein, c'est des traitements contre le cancer qu'il y a dedans. Hein. Donc, que cette connaissance soit ouverte à tous, c'est plutôt une bonne chose. Bah, lui, il a hacké tous les journaux. Il a pris toutes les databases, il a pompé tous les articles, il les a mis en open source. Oh, il a été inculpé, il risquait 45 ans de prison. 45 ans. Et comme il était, tu sais, t'as les peines cumulées aux États-Unis, oui, comme il était très sensible, il s'est pendu. Et donc, lui, il s'est pendu pour que ce système n'existe plus. C'était il y a plus de 10 ans. Et au final, rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Mais c'est tellement lucratif. Tu as des mecs qui sont payés par le contribuable, qui font de la recherche qui va être utile à d'autres. Et leur œuvre, imagine-moi, si ma maison d'édition, donc j'ai publié essentiellement chez Robert Laffont, imagine, ils me disent, on prend ton livre, il va libérer votre cerveau, qui a été traduit en 9 langues, qui a été vendu à plus de 500 000 exemplaires. Tu ne touches pas un seul droit d'auteur. Et imagine mieux que ça. Pour écrire ce livre, j'aurais été payé par le contribuable. Donc normalement, il devrait être accessible à tous. Ça n'a pas de sens. Aïe, aïe, aïe. Et si tu trouves ça vulgaire, qu'est-ce qui est plus vulgaire? Faire un fuck sur YouTube? Ou bien prendre des traitements du cancer et les mettre payants alors qu'ils ont été payés par le contribuable? Alors, si je suis l'algorithme de YouTube, je pense que c'est le fuck. Mais si je suis humain, effectivement, je te suis là-dessus. Ouais, tu sais, ça me rappelle cette citation dans Apocalypse Now, où tu as Marlon Brando qui dit... Oui, je m'assimile au plus grand. J'avais compris. Tu as Marlon Brando qui dit... On demande à nos enfants au Vietnam de balancer du napalm sur des civils. Par contre, ils n'ont pas le droit d'écrire fuck sur leur avion parce que c'est vulgaire. Ah bah, tu sais, c'est tout le propre des États-Unis. Hein. T'as le droit, je sais pas, de,
de twerker à la télé. Ouais. Mais par contre, si tu dis, bah, hier, je regardais le Super Bowl, tu sais, Rihanna, et elle ouvre en disant, avec sa chanson Bitch Better Have My Money, sauf que ça fait Bim, Better Have My Money, et c'était nul. Je reviens sur Syracuse. Parce qu'en fait, moi, tu vois, là, pour le coup, comme je ne savais pas ce que c'était, je me suis dit que j'allais te demander. Et je voulais savoir, du coup, si on... Ça y est, c'était officiel. Idriss Aberkane a résolu le problème. Toi, ton job, quand tu es chercheur, c'est de publier ton travail. Ensuite, tu as... C'est pas toi qui certifie après... Non, tu as des relecteurs. Donc, en fait, dans la parce recherche... Parce qu'il parlait d'un mec qui s'appelle, je ne sais pas si tu connais, Terence Tao. Ouais, Terence, c'est très bien ce qu'il fait, Terence Tao. Donc, il a eu la médaille Fields. C'est un prodige, Terence Tao. Il était, je crois, l'équivalent en thèse à quelque chose comme 14 ans. Terence Tao. Il a grandi là-dedans, en fait. Il a commencé en Australie et il a été repéré, si tu veux. C'était limite comme un, comment dire, comme un repérage de foot. Jeune prodige. Vraiment. Alors, malheureusement, il n'est pas payé comme un joueur de foot. Ouais. Et Terence Tao, il a une approche qui est très intéressante. Cependant, je peux être clair, et je l'ai mis en en-tête du dernier article que j'ai publié. Il y avait trois relecteurs. Il a été publié dans un journal à comité de lecture. Donc, encore une fois, ce n'est pas un blog, ce n'est pas juste une opinion. J'ai dit... Ce résultat est plus fort que le résultat qui a été publié par Tao. Et Tao, lui, l'a publié sur son blog, au passage. Mais ça, c'est un point important. Tao, il est ultra respecté et connu. Il publie sur son blog. C'est... Et ça ne dérange personne, c'est ça que tu veux dire ? Mais non seulement ça ne dérange personne, mais il a raison. Il a raison. Parce que privatiser comme ça son travail... Alors, il bosse à UCLA. C'est une fac privée dans laquelle tu dois payer 40 000 $ de frais d'inscription. Au passage, parenthèse importante, tu sais que les facs américaines n'ont pas besoin de ces frais pour vivre. Ah bon ? Les facs américaines sont riches, mais richissimes en fait. Les facs américaines sont des fonds d'investissement. Elles sont des hedge funds. Alors ils n'appellent pas ça hedge fund. Ils disent on a une dotation. Mmh. Et une fac comme Harvard, elle a une dotation de 20 à 40 milliards avec laquelle elle joue en bourse. Et rien qu'avec sa dotation, elle peut payer la totalité de son fonctionnement. Tous ses chercheurs, tous ses profs, tous ses dortoirs, tous ses jardiniers, tout son nettoyage, ses factures d'électricité et les besoins des labos. Les élèves aux États-Unis pourraient faire leurs études gratuites. Mais c'est ce que vous avez vu avec l'histoire des compagnies pharmaceutiques. Tu ne prices pas un produit parce qu'il t'a coûté, tu prices un produit parce que les gens sont prêts à payer. On appelle ça la willingness to pay. Donc le produit, tu le sors pas du tout à ce qui t'a coûté plus marge, à hey, « t'es prêt à payer combien ? Ta vie, tu l'estimes à combien ?» 27 €. On me crevait du cancer, ça sera 2 millions. Et donc, un étudiant aux États-Unis, faire Harvard, avoir mis Harvard sur ton CV, tu l'estimes à combien ? 80 000 par an ? Ça tombe bien, c'est le prix des frais d'inscription. Dis donc, c'est bien pensé. C'est marrant parce que ce que tu me dis, ça me fait penser à toujours mon pote sociologue qui me disait, tu vois, quand on refait le monde avec un oasis tropical. Et il me dit, mais tu sais, Kevin, qu'on pourrait faire un SMIC en France à 5 000 € par mois, qu'en fait, on plomberait pas du tout l'économie, bien au contraire. Alors, pour la France, j'ai pas vu les preuves de ça, mais en Norvège, oui. En Norvège, ils ont tellement de pognon maintenant, avec leur fonds là, pour le pétrole. Donc la Norvège, c'est le pays qui a le mieux géré l'argent de son pétrole de l'histoire de l'humanité, devant les Émirats, devant n'importe quel État que tu veux, en fait, même les États-Unis, qui avaient beaucoup de pétrole. Aucun pays n'a mieux géré sa rente pétrolière que la Norvège. Et là, aujourd'hui, ils pourraient lâcher plus de 200 000 balles à tous leurs habitants, s'ils voulaient. Là, tout de suite. Ah. Après, ils sont peut-être moins nombreux, c'est plus facile à gérer. Oui, d'accord. Mais c'est leurs ressources par rapport à leur pays. Mais en fait, si tu veux, le problème, eux, ce qu'ils craignent, c'est l'inflation. Ils se disent, voilà, si tout le monde avait 200 000 balles du jour au lendemain, il y aura une énorme inflation dans le pays. C'est, bon, 200 000 balles d'un coup, oui, ça c'est vrai. Pour le coup, pas la peine d'être un génie en économie. Mais ils ont un niveau de vie ultra élevé. Tu peux faire les études un peu où tu veux en Norvège. Ils ont très, très peu de SDF, très peu d'exclus. C'est un pays avec un coefficient de Gini très bas. Donc, le coefficient de Gini, c'est ce qui mesure les inégalités. Par exemple, les pays où il est le plus élevé, c'est le Brésil, l'Inde, etc., la Russie aussi, où tu as à la fois des salaires de 350 € par mois et un médecin en Ukraine ou en Russie, sorti d'école, il touche autour de 350 € par mois. Et puis, tu as des oligarques qui sont milliardaires. Ouais, j'ai vécu en Ukraine. J'avais une amie qui était médecin et je lui demandais, voilà, au bout d'un moment, on était suffisamment proche pour que je lui demande combien elle gagne. Elle me dit, bah, 300 balles. Ouais. Bon, alors qu'à l'inverse, on m'a dit qu'à Singapour, un ingénieur qui finit ses études d'ingé, on lui propose soit d'être prof, soit d'être ingénieur, mais il gagnera, quoi qu'il arrive, au moins 8 000 balles par mois. Plutôt 10 000. Plutôt 10 000 même. Ce qui fait que
Demain, tu as un prof de maths à Singapour, tu sais que ben, c'est un prof qui est bien payé, mais qui voulait enseigner et pas qui a pris ça à défaut ou quoi que ce soit. Bien sûr. Et surtout qui ne se retrouve pas lésé en se disant bon, ben, j'ai choisi d'enseigner, donc je vais gagner moins. Mais ça, c'est tout un sujet. En France, si tu veux, les concours des professeurs des écoles ou des professeurs en général ne te sélectionnent pas sur la vocation. Ils te sélectionnent sur la conformité. Je vais te donner un exemple, l'agrégation. Donc l'agrégation, c'est censé être la noblesse des concours pour devenir enseignant en France, dans le secondaire, enfin dans le lycée, si tu veux. Et l'agrégation, tu dois préparer un cours dans l'agrégation. Quand tu passes ton agrégation, tu dois préparer un cours. Alors, c'est très bien, ça paraît logique, tu veux devenir prof, tu dois préparer un cours. Sauf que tu enseignes, quand tu donnes ce cours à l'agrégation, tu le présentes à des gens qui connaissent mieux le sujet que toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es encouragé, tu es sélectionné à rendre tout plus compliqué. Tu es encouragé à faire un triple axel pour aller à la station-service, si tu veux. Tu veux expliquer quelque chose de simple, mais comme tes examinateurs, eux, ils sont professeurs d'université, ils connaissent mieux le sujet que toi, ils veulent que tu donnes tout et que tu fasses le cours le plus compliqué possible. OK, ça, c'est la grègue. Derrière, tu arrives à Villetaneuse et tu dois faire du Schopenhauer dans un lycée de banlieue. Et ça, c'est le modèle de sélection éducative français. On devrait sélectionner sur la vocation. Tu as une autre personne, d'ailleurs, qui a été, mais elle détruite en France, et qui avait pourtant tout bon, c'était Céline Alvarez. Céline Alvarez, elle avait compris, elle avait fait un manuel, elle avait expliqué, écoutez, il est possible d'apprendre la lecture à 4 ans et demi. Et ma méthode est reproductible, c'est là-dessus qu'elle s'est fait attaquer. Les gens disent, non, elle ne peut pas être reproductible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible, tout le monde le sait, on ne peut pas lire avant 6 ans. Mais si, on peut. Tiens, d'ailleurs, Terence Tao, il lisait à 3 ans et demi. Oui, ok, mais c'était un surdoué. Non, tu as des méthodes, et Montessori les utilisait dans des quartiers pauvres de Naples. Maria Montessori, on croit que c'était une hippie fumeuse de bédo, pas du tout. C'était une médecin qui allait dans les quartiers chauds de Naples durant le fascisme pour enseigner. Et dans les quartiers chauds de Naples, elle avait des résultats exceptionnels. Tout ce qu'a fait Céline Alvarez, c'est de reprendre ce qu'avait fait Maria Montessori, de l'adapter, de le mettre au goût du jour, et elle a eu d'excellents résultats. Alors on a dit, ah oui, mais elle a utilisé du matériel qui coûtait un peu cher. Alors, c'est un des premiers, dans le procès Alvarez, si tu veux, dans l'affaire Alvarez, qui est un peu l'affaire Dreyfus de l'éducation, si tu veux, on l'a dégagée, on ne l'a pas envoyée au bagne, elle a fini en Belgique. Certains vous diront que c'est la même chose. Mais... Oh, je ne veux pas avoir le lobby belge. J'arrive de Bruxelles, tout va bien. C'est quoi cette excuse à la Nadine Morano là, Bien vu. J'ai bien vu que tu laisserais rien passer, toi. Et donc, elle est, en tout cas, à Bruxelles, où en réalité, elle cartonne, ses cours s'arrachent, etc. Parce que, comme tu sais, ils ont un problème de multilinguisme. Il faut que les gens parlent plusieurs langues là-bas. Donc, ils ont une pression sur l'éducation qui est énorme. Et beaucoup de fils d'immigrés, d'ailleurs, essaient de parler néerlandais parce que tu as plus de chances d'avoir des jobs là-bas. Enfin, tu sais, tous ces problèmes clivants en Belgique. Eh ben, on lui a dit, dans ce procès ou cette affaire Alvarez, « Ah oui, mais son matos coûte cher. » D'après les statistiques, les élèves, les classes dans lesquelles elle est intervenue, un élève par classe minimum allait finir en tôle une fois. Ça coûte combien à la collectivité d'avoir un type qui fait de la tôle? Surtout quand on sait comment fonctionnent nos prisons. C'est-à-dire que c'est des universités du crime, en fait. Elles ne sont pas là pour réhabiliter, elles ne sont pas là... Et c'est la vraie question, d'ailleurs, qu'on devrait se poser sur le système carcéral. Tu vois que ça s'enchaîne sur le système éducatif, ce n'est pas un hasard. Mais la vraie question qu'on devrait poser sur le système carcéral, c'est à quoi il sert. Si tu me posais la question à moi, je te dirais, normalement, sa seule et unique mission dans la vie, ce n'est pas de punir, c'est d'empêcher la récidive. Alors, évidemment, si tu veux, il y a le côté punition, dissuasion. Mais ça, ça fait partie d'empêcher la récidive. Mais normalement, le job d'une prison, c'est juste d'empêcher la récidive. C'est de faire en sorte que la personne ne récidive plus. Alors évidemment, au Moyen-Âge, Jacouille la fripouille, tu lui coupes la main. Donc là, c'est alors bon, il ne récidivera plus. Aujourd'hui, on a un autre problème, c'est que nous, plus on rajoute des places de prison et plus on les remplit, en fait. Donc, mais ça ne sert à rien. Tu regardes le modèle, même Gaspard Koenig, qui est pourtant très libéral, enfin, il se revendique d'être très libéral. Il a dit, je suis allé voir les prisons en Finlande et en Norvège, et j'ai vu que ça marchait mieux. Ce n'est pas parfait, il ne faut pas être bisounours, mais ça marchait mieux. Ben, ce que je veux dire, c'est que Céline Alvarez, le seul truc qu'on a retenu contre elle, c'est elle a pris du matos qui coûtait un peu cher. Du matos qui s'amortissait sur 10 ans. C'était pas chaque année, il fallait payer ce qu'elle avait payé. Mmh. Et il y en avait une partie qu'elle avait payée de sa poche avec son salaire d'enseignant à 1006 mensuel. Elle avait payé une partie de sa poche. On lui a dit, ah, ça coûte cher, donc... Mais c'est quoi cet argument? Et Kader qui va finir en tôle parce que c'était à Gennevilliers et que d'après pourquoi les stats... Pourquoi Kader, tu suis? Tu sais pourquoi Kader? Fais pas ton gros hypocrite. Tu sais très bien que c'est justement dans les stades, c'est là que ça se passe. Mais du temps de Maria Montessori, c'était pas Kader. Du temps de Maria Montessori, c'était Salvatore, c'était Angelo. Giovanni, voilà. Voilà. Du temps de Maria Montessori, et tu sais le racisme nord-sud qu'il y avait en Italie, ça a duré jusqu'à Maradona, quand il jouait à Naples, il entendait les tifosi de la Juve hurler que les Napolitains étaient des bêtes, etc. Donc, t'avais le même racisme nord-sud, alors que c'est
la même région ethnique, c'est le même peuple, c'est la même ethnie. Mais Maria Montessori, c'était pas Kader, c'était Giovanni. Quoi qu'il en soit, ça coûte combien à la société d'avoir un jeune de Gennevilliers qui va faire un passage par la case prison versus ça coûte combien ce que Séguin Alvarez avait mis sur... voilà. Mais non, bizarrement, tu vois, dans la polémique sur Séguin Alvarez, il n'y a personne qui avait posé cette question. C'est vrai, c'est vrai. Et parce que moi, je sais que ma sœur, qui est à fond là-dedans, elle m'avait donné le livre et je ne l'avais pas lu. Mais j'en avais beaucoup parlé avec elle. Moi, tu sais, il y a un sujet que j'adore aborder avec les invités de rendez-vous, c'est l'échec, parce que je le traverse souvent. Et pour autant, je suis assez fier. En fait, c'est dur de le dire quand t'es en bas. Mais c'est ultra important l'échec parce que souvent, tu sais, les gens me disent « Ouais, mais Kevin, moi, je voulais me lancer dans l'humour, mais j'ai peur de faire un bide. C'est pour ça que je ne me suis pas lancé. » Je dis « Merci. » C'est comme si tu me disais « Je voulais être footballeur, mais j'ai peur de pas gagner un match. » Donc vraiment... Et je trouve qu'en France, on valorise pas assez l'échec. On a l'impression que c'est honteux. Et je sais que t'en avais fait une petite conférence. Ouais. Donc l'échec est un diplôme. Dans l'histoire de l'humanité, t'as rien de grand qui a été fait sans échec. Tu prends les frères Wright quand ils ont fait voler leur premier avion. Ils embarquaient 5 lots de pièces détachées parce qu'ils se crachaient 5 fois par jour. Et il y avait plein d'autres personnes qui essayaient de faire voler un avion. Des gens des grandes écoles en France. Il y avait un type qui s'appelait Samuel Pierpont Langlais, dont plus personne connaît le nom aujourd'hui, qui avait le profil idéal. Il avait une chaire au Smithsonian. Il jouait au golf avec le président. Les médias le suivaient partout. Mais lui, comme c'était Samuel Pierpont Langlais, il ne pouvait pas se cracher une seule fois. C'était impossible pour lui. La honte, tu vois, t'étais dans tous les médias, Samuel Pierpont Langlais s'est craché, imagine, on a la photo sensationnelle avec lui, un œil au beurre noir. Quand t'es quelqu'un d'important, le coût de l'échec est plus élevé. Une raclée, un échec, une défaite, fait beaucoup plus mal quand tu es connu, quand tu es important. Les frères Wright, personne ne les connaissait, c'était deux glandus qui vendaient des pièces détachées de vélo à Dayton, dans l'Ohio, dans les champs de maïs. Du coup, quand ils se crachaient 5 fois par jour, il n'y avait pas un journal pour en parler. Et quand tu te craches 5 fois par jour, tu vas mettre à jour ton projet d'avion, ton prototype plus rapidement. Bah, Musk pour les fusées, ça a été ça. J'ai eu la chance, quand j'étais éditorialiste au Point, j'avais essayé de défendre Arianespace. Parce que Laurent Alexandre avait dit qu'ils allaient se faire minitaliser, qu'ils étaient morts, et que les Américains allaient les battre, etc. Et j'avais dit, non, c'est pas tout, c'est possible, mais il y a autre chose chez Arianespace. Et j'avais rencontré le président Alain Charmeau d'Arianespace et Stéphane Israël, le directeur général. Et il m'avait dit, vous savez, M. Aberkan, des fusées qui se reposent, nous, on avait la technologie. On pouvait le faire. Simplement, on nous a dit, jamais vos clients voudront lancer un satellite sur une fusée qui a déjà servi. Parce qu'elle va péter, etc. Arianespace, ils n'avaient pas le droit de faire péter des fusées. Ça leur est arrivé. Mais quand ça arrive, il y avait des têtes qui volaient, des gens qui perdaient leur carrière. C'était un carnage. Elon Musk, il avait une fusée qui pétait tous les mois, quasiment. Facebook lui a fait un procès parce qu'un satellite Facebook était sur une de ses fusées, elle a pété. Elon Musk, comment il a fait des fusées qui se reposent ? Comment il a divisé par 100 le coût du fret aérien? Comment il a fait des fusées qui peuvent envoyer 120 tonnes dans l'espace et qui sont fabriquées en inox et qui tournent au butagaz, au propane, non même pas, au méthane, gaz de ville. Tu sais, avant, les propulseurs de fusées, c'était secret défense. Tu avais des scénarios de films d'espionnage où tout le scénario, c'était un mec qui va à Toulouse pour voler la recette des propulseurs d'Ariane. Elon Musk, il arrive, il fait ça avec du méthane et une fusée en inox. Il a même dit qu'il l'a faite pointue parce qu'il avait vu le film Le Dictateur là, avec Sacha Baron Cohen et qu'il avait dit hey, ça fait plus peur quand c'est pointu. Il a dit ouais, j'ai dit à mes ingénieurs, faites la pointue, ça sera rigolo. Hein. Sans déconner, il l'a dit en interview chez Joe Rogan. Donc, un mec, il arrive à faire une fusée qui est 100 fois moins chère que la fusée Arianespace, qui se repose et qui peut emporter 3 fois plus de fret. Bah, il a fait péter des dizaines de fusées, peut-être pas des dizaines, mais il a fait péter des fusées. Et toi, tu l'as vécu l'échec ? 20 fois. Et c'est quoi, par exemple l'échec qui t'a vraiment marqué, qui t'a permis de rebondir sur un truc que t'attendais pas parce mais que tout le temps, j'ai foiré. Alors, par exemple, là, j'ai sorti un jeu éducatif pour apprendre des langues. J'ai cru qu'elle me dire. Par exemple, tu vois, j'ai jamais eu de doctorat. Et ben, voilà. J'ai eu le mec qui va. Mais là, maintenant. Merde, oh, merde. J'aurais voulu te donner ce scoop, mais malheureusement, c'est. Si tu veux, pour te faire plaisir, je pourrais dire, t'as les gens, ils seraient là. Mais oui, je vous l'avais dit, tu vois, ça leur ferait. Des fois, je me dis, ils sont tellement névrosés, ces gens, je devrais faire ça, je devrais faire une confession et tout. Mais bon, bref, j'ai fait un jeu éducatif. Si tu veux faire une fausse confession et qu'on la découpe, tu me le dis. Hein. Il faut que tu floutes mon visage d'abord. D'accord, tu, ok, on fera ça. Tu mets une petite voix façon Daft Punk et tout. Puis ouais, ok. Donc. J'ai sorti un jeu éducatif. Guild of Logos, ça s'appelle. C'était un chapitre de ma thèse. Donc, c'est un jeu. Il est sur mobile. Je l'ai sorti ce mois-ci. Il a été classé. Il est resté une semaine dans le top 50 des applications divertissement sur l'App Store. Je suis méga fier. Divertissement. Merci. Et ce jeu, j'ai passé 8 ans dessus. J'ai fait 9 prototypes. 9.
Donc c'est 9 échecs, hein, concrètement. Ouais. Hein. Prototype, finalement, fondamentalement, c'est un échec. Parce que t'as pas pu le faire voler, il n'était pas sorti. Il est sorti que cette année. Il aurait pu sortir il y a 2 ans, il aurait pu sortir il y a 3 ans, il aurait pu sortir il y a 4 ans. Dans ma thèse, déjà, il était en 2D, c'était le petit prince qui se battait contre Cyrano de Bergerac. Que tu sais, la tirade du nez, c'est une sorte... Quand t'aimes le rap comme moi, c'est une sorte de clash, en fait. C'est une joute. Et François Villon, c'est du clash aussi, c'est du rap. Eh bien, je voulais faire ça. Des personnages historiques qui s'affrontent en s'envoyant des phrases à la gueule comme des sorts d'Harry Potter, tu vois. Et donc, j'avais fait un proto en 2D. En 2014, j'avais un prototype en 2D. Et le temps d'arriver à une version commercialisable en 3D, pratiquement 10 ans, tu vois, 9 ans. Donc, c'est 9 ans d'échec. Et je me suis toujours relevé. Pourquoi ? Parce que mes héros, c'est des gens qui n'arrêtaient pas d'échouer. C'est Richard Francis Burton, c'est Winston Churchill, c'est tous ces gens-là qui n'arrêtaient pas de prendre des tartes dans la gueule et qui se relevaient. Et Winston Churchill, il te le disait clairement, quoi. Si tu traverses l'enfer, continue d'avancer. Je l'ai fait écrire sur mes pompes, d'ailleurs. C'est ce qui est marqué là. Ouais. C'est vrai ? Sur ses pompes, ouais. If you're going through hell, keep going. Et je l'ai mis dans un rap aussi. T'écris sur tes choses sur toi ? Ouais. Je croyais qu'il n'y avait que ceux qui étaient en bac L qui faisaient ça. Donc, si tu veux, rien de grand s'est fait sans échec. Je peux te donner un tout dernier exemple. Ouais, vas-y. Je suis moitié italien, Rome, en fait. Tu sais que Rome, c'est très particulier, c'est la seule civilisation qui a unifié la Méditerranée. Aucune civilisation l'a fait avant eux, et tu peux parier sans trop de risques qu'aucune civilisation y parviendra après eux. Les Américains, ils sont pas parvenus, les Allemands, ils sont pas parvenus, les Anglais, ils sont pas parvenus, les Français non plus, les Espagnols non plus, les Ottomans non plus. Personne n'a pu unifier la Méditerranée. Donc, pourquoi vous rigolez ? Ce que je voulais dire, les Romains, comment ils ont fait pour unifier la Méditerranée ? Les Romains t'analysent leur histoire. À chaque fois qu'ils se prennent une branlée, ils reviennent. Tu prends les guerres puniques, Hannibal leur met, mais fessé sur fessé, c'est magnifique. Il leur met des branlées les unes derrière les autres. Et bataille après bataille, les Romains se font battre x2, x3, x4. Les Romains, quand Hannibal sort des Alpes, il explose une armée de 20 000 personnes. Bon, bah, les Romains, ils en envoient une de 40 000. Il explose aussi. Bataille du lac de Trasimène, les soldats romains se jettent dans le lac. C'est une branlée phénoménale, la bataille du lac de Trasimène, c'est peut-être la meilleure bataille d'Hannibal. Eh ben, c'est la branlée x2. C'est pas grave, les Romains, ils te renvoient 80 000 hommes. La bataille de Cannes. La bataille de Cannes, elle est enseignée dans tous les manuels militaires comme Hannibal Vivaldi, il explose une armée de 80 000 Romains. C'est pas grave, les Romains, ils reviennent quand même. Et en fait, t'as une correspondance, ça m'a énormément inspiré. T'as une bataille, les Romains, ils ont appris à se battre avec un peuple qui s'appelait les Samnites, un peuple des montagnes qui leur a appris à faire le modèle les Samnites. Les Samnites. Ouais, c'est les Samnites. C'est les valises, hein. Non, ça, c'est sans les Samnites. Ouais. Excellent. Non, il y a quelqu'un qui dit c'est Samsonite, la blague. Merci beaucoup d'expliquer. C'est un placement de produit. Il faut bien que la chaîne vive un peu. Ouais, t'as capté. Là, je suis en galère. Là, je te dis juste ça pour conclure. Dans cette bataille contre les Samnites, c'est la bataille des fourches caudines. C'est de là que ça vient l'expression, les fourches caudines. Les Romains se sont fait battre. Ils doivent passer sous les fourches caudines. Ils se font humilier. Mais le général qui les a battus, Samnite, il écrit à son père et il dit, je fais quoi avec les Romains? Je les bute ou je les laisse partir en les humiliant un peu, les fourches caudines? Son père lui répond, fils, tu connais pas les Romains. Les Romains, quand tu leur tues une armée, ils reviennent avec 2 armées. Et quand tu leur tues 2 armées, ils reviennent avec 4 armées. Et quand tu leur tues 4 armées, ils reviennent avec 8 armées. Alors, joue pas au con, les humilie pas, vite fait, mais les tue pas, parce que les Romains, ils reviennent toujours. Et c'est un Samnite, un père Samnite, qui écrit ça à son fils. Les Romains reviennent toujours. C'est comme ça que tu fais une cité éternelle, c'est comme ça que tu unifies toute la Méditerranée, c'est comme ça que t'as Trajan, Marc Aurèle, etc. On dit que Rome s'est pas fait en un jour. Rien ne s'est fait de sérieux dans l'histoire de l'humanité sans échec. Et quand t'as des abrutis qui te disent, ah, il a fait un échec. Moi, combien de fois? Mon jeu vidéo, je l'ai annoncé. Combien de fois je l'ai annoncé? Pendant 4 ans, putain, ce jeu vidéo. Parce que je voulais qu'il sorte. Et il m'a fallu 4 ans pour qu'il sorte définitivement. Et combien j'avais d'abrutis qui étaient même pas dans la vraie mentalité française de l'impossible des pas français de Jules Verne. Mais combien j'ai vu de crevards les bras ballants dire, ah, ah, il avait dit que le jeu sortait en 2020. Il n'est pas sorti. Bon. Ils étaient de quelle époque, tes potes? C'est la génération Diabolo et Satanas, tu vois. En tout cas, bravo. Est-ce que avant de finir cet entretien, tu as des projets à annoncer ou autre? C'est le moment. Alors, vraiment, le projet qui me tient à cœur maintenant, c'est Guild of Logos. Parce que moi, ce que je veux, c'est enseigner. Alors, c'est le rendre déjà plus fun. Donc, on veut le Naruto-iser. Et c'est pour ça que je lève des fonds. En fait, là, juste avant cette interview, j'étais à Bruxelles pour rencontrer les investisseurs. D'accord. Et je leur ai fait le pitch de Guild of Logos et je leur ai montré comment je voulais Naruto-iser ce jeu. Parce que pour l'instant, c'est un jeu éducatif. Ça veut dire qu'il est très compétitif face à un cours ou un cahier de vacances, mais il n'est pas encore compétitif face à Naruto, si tu veux. D'accord. Donc le but, et c'est ça que je vais, si tu veux, conclure là-dessus. Quand Elon Musk, il a fait les Tesla, c'est pas lui qui a créé cette marque, mais il l'a sauvé de la faillite.
Et d'ailleurs, l'autre gars qui a sauvé Tesla de la faillite, c'était Schwarzenegger. Il est venu tous les jours en Tesla Roadster. Elon Musk, hein, il avait 3 semaines de trésorerie. 3 semaines. Sa maison était hypothéquée, il était comme ça. 3 semaines, en 2008. Et les banques avaient dit stop. On arrête les conneries, votre voiture électrique, là, ça ne marchera pas. Et Schwarzenegger est venu tous les jours à Sacramento quand il était gouverneur en Tesla Roadster. Donc, il est passé d'un énorme humeur de connard à un... désolé s'il y a des gens qui ont des humeurs dans la salle. C'est pas trop mon public. Ah oui, n'est-ce pas? Non, non, ça vient en métro. Non, à une Tesla, vous sentez concerné, là. À une Tesla Roadster, et ça, il a dit aux banques, vous prêtez? Et Musk, si tu veux, au début, il s'est dit, je fais des voitures électriques, les gens vont les acheter parce qu'elles sont électriques. Mais après, alors je sais qu'aujourd'hui, avec le prix du kilowattheure, on en revient quand même. Mais ce que je veux dire en termes de vision, c'est qu'il a dit, un jour, j'aimerais que les gens les achètent parce qu'elles sont juste agréables à conduire, parce qu'elles sont juste bien. Et d'ailleurs, qu'elles ont un niveau de sécurité qui est très élevé. Pour le coup, on doit lui rendre ça. Bah, moi, Guild of Logos, pour l'instant, je veux que les gens l'achètent pour se former. Mais ce que je veux, c'est que dans 5 ans, ça soit plus compétitif qu'un jeu standard. Que les gens jouent à Guild of Logos parce que ça sera tout simplement plus fun que Naruto. Et c'est pour ça que je me suis battu pour qu'on soit dans la section entertainment d'Apple, pas dans la section éducation, comme Duolingo par exemple, et que, en ce moment, mon grand projet, c'est de faire en sorte que apprendre, ça soit plus divertissant que de jouer. Eh ben, écoute, on va télécharger. Idriss Aberkane, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un autre rendez-vous. Merci à vous. Merci.